à tous, c'est BenRestaurant85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tep. Cette semaine, il y a eu deux sorties et il y en a une dont je n'attendais pas particulièrement le retour. Ça fait 2 ans qu'il était absent. Bref, il est de retour, c'est Judge Beach avec son album Horse Blood. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album il est composé de 9 pistes. Il y a donc Black Drop Driver, Trash Panda, qui a eu droit à une vidéo officielle d'ailleurs. Il y a Burner, qui est la 3ème piste. Animal Weapons, qui est donc la 4ème piste. Vandal, qui est une piste chantée d'ailleurs, avec donc à la voix Golden Reaper. La 6ème, c'est Horse Blood, qui est en plus une collaboration avec The Perturbator, qui est d'ailleurs également le titre de l'album. La 7ème piste, c'est Patriot. La 8ème piste, c'est BS10, on va dire ça comme ça. Et enfin, la 9ème piste, Command. Et on va commencer par la première piste, Black Drop Driver. Et la première piste, franchement, elle commence directement sur les chapeaux de roue. Autrement dit, on est directement dans le rythme est très très rapide. The rhythm of this fist track is fast. Mais vraiment fast, hein. c'est vraiment rapide. On est directly in action. Franchement, on est directement dans l'action comme ça. For me, it's a symbol pour dire sans doute I'm back. On va passer maintenant à la 2ème piste, Trash Panda. Alors Trash Panda, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un clip officiel disponible sur la chaîne du label New Retro Wave. Et Trash Panda, bon ben c'est faut savoir que la piste elle est quand même assez on sent quand même, il y a une action quand même un peu bon, moins frénétique que la précédente piste. Mais déjà, pour vous décrire de la vidéo, je vous conseille de la voir. C'est très sympathique. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, c'est tout simplement ces 3 personnes avec des têtes de pandarou. Vous savez, un peu à la style... peut-être pas des pandarou, mais plutôt à la style comme Rocket de Gardien de la Galaxie, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va dire, ils font quoi? Oui, attendez, je les ai fait. Oui, voilà, ils font le désordre, quoi. Ils font du chaos. Enfin, c'est-à-dire, ils volent, ils tabassent des gens. Enfin, vous voyez, le genre de truc comme ça, quoi. On va passer maintenant à la 3ème piste, Burn. My suggestion for this track is oppression. It's oppression, voilà. Franchement, moi, il y a une certaine oppression, en tout cas, comment dire? In intro of tracks is oppression and in final of tracks is action. On est un peu dans l'oppression, un peu comme si on se préparait simplement à l'action et à la fin ça part en action totale, quoi. On va passer dans la 4ème piste, Animal Weapons. My first impression for this tracks 4, it's on soundtracks of video game. The style of video game is beat them all. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à ça au niveau de la bande son. Sensation of action. On a une sensation d'action. Bref, la sonorité en fait fait que voilà, j'ai l'impression de me sentir là-dedans. C'est ma première impression. Et surtout, on entend le fameux 1, 2, 3, 4 en début de piste. Et ça, c'est juste génial. On va passer maintenant à la 5ème piste, Vandal. For me, this tracks 5, my sensation is a soundtrack of action movies, generic of action movies. Pour moi, j'ai l'impression d'entendre un générique de film d'action, vous voyez, juste style à la Stallone, les machins comme ça, mais c'est juste, franchement, c'est génial. On va passer maintenant à la 6ème piste, qui est également le titre de la même Horse Blood avec Perturbator. Alors faut savoir que les pistes quand même, la sensation de Judge Beast, vous savez, le côté très avec la guitare électrique derrière. Mais il y a un petit côté Perturbator qu'on entend quand même, ça se ressent quand même dans le fond. Et c'est très sympathique. On va passer maintenant à la 7ème piste, Patriot. My session set for this tracks 7, it's thriller. It's a soundtrack of thriller, horror movies. C'est vrai que ça me fait penser un peu ça, fantastic movies plutôt. Enfin, c'est plutôt une piste de film fantastique, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on sent qu'il y a un côté un peu auprès d'oppression dans cette piste. C'est vrai, je trouve ça assez sympa. Puis avec le son de guitare derrière, c'est juste magique, quoi. On va passer maintenant à la piste 8, B.
BS10, enfin je pense que ça se prononce comme ça. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est l'accès de l'action. En tout cas, c'est moi je résumerais ça comme ça, cette piste-là. C'est de l'action, mais franchement, de l'action pure, je dirais. Mais c'est sûr, j'ai sûr et certain, mais franchement, on est dedans et voilà, on suit avec plaisir. On va passer maintenant à la 9e et dernière piste, Command. Alors, Command, my suggestion for this track 9, it's infiltrations, hacking, vous voyez ce que je veux dire. C'est là, on sent parce que, because... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà, on sent une personne, on a l'impression de suivre une personne qui est planquée, qui essaie d'éviter de se faire choper. Et à la fin, il y a un truc qui est assez étrange, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais le rythme est quand même un peu oppressant par rapport à ça. Et tu sais pas trop si c'est fait exprès, but the final is this track is silence. C'est un silence, c'est-à-dire qu'en fait, on entend comme ça, mais après, on a un silence. Et franchement, comment vous dire, c'est juste génial. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. Bon, désolé, my review, but I love your return and album. Voilà, j'adore franchement son retour. Franchement, c'est un grand retour en fanfare de Judge Beach. Après, comme il dit, après une pause, il est revenu franchement, voilà, avec un album qui tue, comme il dit. Et c'est vrai que c'est un album qui tue, franchement. Il dit pour motiver les rétro et NC Berkers. Et j'avoue, ça m'a motivé à mort. Thank you for this album. Et ben voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, une chose est sûre, moi j'ai beaucoup apprécié cet album. Hein. Bon, faut savoir que les sensations sont différentes des uns des autres. En tout cas, voilà, faut savoir que Formatep, c'est mon ressenti à moi. C'est ce que je ressens hein, quand j'écoute l'album. On a chacun nos ressentis propres. Hein. Faut pas exagérer non plus. En tout cas, n'hésitez pas vous à dire ce que vous en avez pensé par le biais de cette que vous appréciez cet épisode. Par le biais d'un pouce bleu, pouce rouge, ou voire même en commentaire. Hein. Tant qu'il est constructif, tout est bon à prendre. Sachez que si vous désirez suivre cette émission, bah c'est pas compliqué, pour être informé, il y a les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si cela vous a, hein, si cela ça vous plaît également. Pour me parler d'ailleurs en direct, ou même en texte, il y a un Discord dans le lien dans le descriptif de l'épisode en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao!